Hello tout le monde, c'est Sweet Heart Urbex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une visite ou un urbex dans une menuiserie. Voilà. Voilà le petit lieu. Donc ici, nous nous retrouvons dans un premier bâtiment. Il semblerait être des bureaux ou un espace de stockage. Parce qu'on n'a pas grand de informations, mis à part des petites salles. Tout ça sur le long. Il y a aussi un espace de stockage avec des boules. Donc à mon avis, c'est soit les bureaux ou peut-être un stock ou une salle de repos. Parce qu'on avait déjà une là-bas. Voilà. Là, les toilettes. Donc à mon avis, ici, ça devrait être... Une chambre. Je sais pas. Ici, ça devait être une salle de bain. Comme on a vu, c'est des logements. Et normalement, il y a un deuxième étage qui se trouve là-bas. Second grenier, mais tu peux pas y aller, et il y a deux petites pièces. Dans la salle non plus, j'ai pas envie de s'offrir un plancher. Pas mal abîmé. Et c'est étonnant que c'est pas plus grand parce qu'il n'y a pas de porte. Et le couloir il va jusqu'au bout, c'est étonnant que c'est pas plus grand. Il y a beaucoup de bras, de bordel. Sûrement un hangar de rangement. Là, à tous les coups, c'était la menuiserie. Je suis en train de filmer. Là, à mon avis, ça devait être le local de rangement juste là. Et là, c'est là où ils travaillaient, tout ce qui est bon et tout. Enfin, une petite table basse. Le bureau. Ça devait être une machine. Et tous les coups.
si elle fait ici, je te dis pas. C'est pour ça qu'on donne pas trop d'adresse aux gens à qui on n'a pas trop confiance. Pour pas que les lieux soient encore plus endommagés. J'espère que je vais pas passer à travers. Du coup, je vais aller prudemment. HLM, clinique, Monsieur Donald de Lille, ah non, McDonald, wow. C'est un truc de ouf. Faire un petit tour au-dessus. En espérant que c'est assez solide. Bon, ça a l'air, hein. Une épaisseur de bois. Mais faut toujours être méfiant. Mazette une fois. Aller jusqu'au bout parce que je sais pas si vous l'entendez, mais le bois il craque. Et là il y a un trou juste là. Je sais pas si je peux. Oh, c'est chaud. Mais voici, il y a des trous. Un peu plus. Encore des tas de papier. Découvrir ce qu'il y a derrière moi dans un petit instant. Ah, une chaise, elle est posée en cul. Ça te gêne pas? Je passe pas à travers par contre.
après vous. C'est une grande porte. Qu'est-ce qu'elle peut faire rentrer dans cet endroit après vous? D'après vous, mademoiselle, où se cache-t-il? Un indice. Un indice, tu as un indice? Non. Non. Je sais pas, plein de choses, tellement plein de choses. J'ai une caravane, c'est une sorte de caravane. On veut plutôt investir. Ouais. Ça donne beaucoup d'indices, hein. Non, pas vraiment. Non. Ça roule. C'est rare. C'est vrai. C'est rare qu'on trouve ça. Perdons un peu de temps. La voiture. La marque, je ne saurais pas dire. On pense que c'est une Jaguar. Mais je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais elle est vraiment classe. On pensait pas trouver ça ici, franchement. C'est vraiment un truc à pas rater. Tu veux une clé à voler? Non. Ça ira. Elle est tellement classe. Oui. C'est une poste, tout ça? Tu vas aller dans le coffre? Ouais, non, je donne. Imaginez une attaque de zombies, tu t'enfermes dedans. Oh. Passer par le... Je passe pas moi. Mais tu passes, hein. Je ne devrais pas abîmer celle des jaguars. Tout est bon, on reste pas là. On reste pas ici. Tu veux une clé? Non, c'est rare. Une voiture. Précédemment, on était là-bas. Donc, la voiture, elle se trouve là-bas, il me semble. Enfin, depuis tout à l'heure, on entend des bruits. Et en fait, comme on a entendu un bruit qui venait de là-bas, on est sorti par là-bas. Et en fait, on est perdu. Thanks.
n'a pas visité. C'est pas François qui chante ça. J'espère qu'elle pourra me passer de jolies photos. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure,